Histoire pour les oreilles. Je m'appelle Lilou et je viens d'avoir 3 ans. Aujourd'hui, c'est la rentrée en maternelle. Avec maman, je suis allé visiter l'école. La maîtresse est très gentille, mais il faut l'appeler maîtresse. Sur les murs, il y a plein de jolis dessins. Moi, je n'ai pas de fourniture à acheter, mais Sarah, ma grande sœur, en a plein. Elle rentre à la grande école. Elle a de la chance. Alors hier, toutes les trois, on est allées faire les courses. Pour Sarah, il fallait des feutres, des crayons de couleur, des cahiers, une ardoise blanche avec un feutre spécial et un chiffon, un classeur avec un dinosaure, un cahier avec une licorne, une trousse avec des papillons. Le cartable ne serait jamais assez grand. Maman m'a acheté un sac à dos de grande pour ranger mon doudou. J'étais très fier. Et quand elle a tourné le dos, j'ai rajouté un paquet de bonbons dans le chariot. Après, on est allé acheter des habits neufs pour la rentrée. Je voulais une robe de princesse qui tourne avec des paillettes et des chaussures qui clignotent. Mais maman a préféré m'acheter une jupe normale, un t-shirt avec une tête de chat et des chaussures à boucles. Elle m'a dit que pour la rentrée, c'était mieux et qu'après, on verra. Le soir, pour m'endormir, maman m'a expliqué que j'allais apprendre plein de choses, des petites chansons, des histoires et que l'école n'était pas triste. Elle m'a expliqué aussi que quand on aura rangé la classe et qu'on entendra la cloche, il sera temps de rentrer à la maison. C'est l'heure des mamans, parce que c'est souvent les mamans qui viennent chercher les enfants à l'école. Mais parfois, ça sera papa. Alors, ça sera l'heure des papas. Je n'ai pas très bien dormi. J'avais tellement envie d'aller à l'école. Maman m'a réveillé en me faisant un petit câlin. Elle m'a aidé à mettre ma robe neuve et j'ai déjeuné. Ma grande sœur était déjà prête. Elle m'a fait 2 couettes magnifiques attachées avec un élastique vert avec des petits cœurs rouges et blancs. C'était très joli. Pendant le petit déjeuner, maman m'a raconté tout ce que j'allais faire à l'école. J'allais dessiner, faire de la peinture, maîtresse nous raconterait des histoires. On ferait plein de jeux et bien d'autres choses encore. Je lui raconterai en rentrant, c'est promis. Avec maman, on a préparé mon sac. J'ai mis mon doudou, j'en ai plein, alors il a fallu choisir. Pour la rentrée, j'ai pris Doudou Mouton, il est très câlin. Maman a mis une culotte de rechange, on ne sait jamais. Parfois, il y a encore des petits accidents. Pendant ce temps, ma grande sœur vérifiait qu'il ne manquait rien dans son cartable. Les cahiers, l'ardoise, les feutres, tout était prêt. Maman m'a expliqué que la maîtresse connaît très bien les enfants et qu'elle les aime beaucoup. Mais elle n'est ni une maman, ni une nounou. Des mamans, j'en ai qu'une. Et la nounou, c'était quand j'étais trop petite pour aller à l'école. Maintenant, c'est maîtresse. C'est difficile à dire. Je dis maîtresse. Elle m'a dit que si je me trompe et que si je l'appelle maman, ça n'est pas bien grave. On est parties toutes les trois. La grande école est juste à côté de la mienne. Maman tenait Sarah de la main gauche et moi de l'autre main. Je marchais en sautillant tellement j'étais contente. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Sur les trottoirs, les gens étaient pressés d'aller travailler. Les voitures klaxonnaient parce que ça n'allait pas assez vite. Et les bus frôlaient les piétons. Moi, je trottinais avec mon cartable sur le dos et les oreilles de mon doudou mouton qui dépassaient. À un moment, il a fallu traverser la rue sur les passages pour piétons et tourner à droite. L'école est là, dans la petite rue, au bout de l'impasse. Au loin, on entend déjà les cris et les rires des petits enfants dans la cour de l'école. À la grille, Sarah nous a fait un bisou et s'est mise à courir, impatiente de retrouver tous ses copains de l'an dernier. Maman est rentrée avec moi. Maîtresse était là, ou plutôt maîtresse. Il m'a pris dans ses bras en souriant. Je me suis mise à pleurer et à vouloir retourner dans les bras de maman. Elle m'a dit que ça n'était pas grave, qu'il fallait qu'elle s'en aille travailler et qu'elle reviendra me chercher à l'heure des mamans.
Elle m'a fait un bisou très fort dans le cou et elle est partie, sans se retourner. Je crois bien qu'elle pleurait un peu, elle aussi. Aussitôt, maîtresse m'a pris par la main pour aller jouer dans une sorte de piscine où il y avait plein de balles en plastique. C'était drôlement rigolo. Après, tout le monde a pris des feutres. Moi, j'ai dessiné mon petit chien Roudoudou avec un soleil et un arbre. À la cantine, il y avait un steak haché et des petits pois carottes. Et pour le dessert, c'était de la compote. C'est drôlement bon, la compote. Après, on a fait la sieste. Moi, je n'ai pas dormi et j'ai raconté des histoires à mon doudou. Et très vite, la cloche a sonné. Il a fallu ranger les jouets et je savais que c'était l'heure des mamans. Elle m'attendait devant la porte. Je lui ai sauté au cou pour lui faire un câlin. J'ai plein de choses à lui raconter.